Salut à tous, nouvel épisode de Final Fantasy VII Remake, on doit en être au 13ème je pense, et après avoir passé hier une bonne partie de la nuit à me faire trash talk par la communauté d'un sombre youtubeur australien, parce que j'ai osé dire que le remake, le design de Jill dans le remake avait rien de problématique, et après avoir passé bonne partie de la fin de nuit et jusqu'à maintenant là, à me faire trash talk et à parler avec la commu de Benzaï parce que j'ai osé dire qui se plaignait un peu trop souvent parfois, il est important de faire un point sur les défauts de Final Fantasy VII Remake, ce qui était justement le sujet de notre prise de tête. Et donc du coup, important de faire ce point, pourquoi ? Parce que bien évidemment, le jeu n'est pas parfait. Le jeu n'est pas parfait. Loin de là, il y a des gros problèmes de texture à certains moments. C'est tendance où le plateau du secteur 5, ce bidonville, est un quartier où les habitations faites de matériaux de récupération se dressent sans ordre précis. On y trouve notamment un orphelinat et les nombreux enfants qui utilisent les interstices entre les bâtiments comme terrain de jeu. Il y a également une vieille église abandonnée à la périphérie. Ok, le lore. Du coup, certainement le défaut principal du jeu, c'est que certaines des textures sont comme les portes des appartements de Cloud et de Tifa et de Marco. Dans le secteur 7, sont immondes. Il y a des textures qui sont legit pas belles. Là, cette caisse en bois n'est pas belle. Les rochers ne sont pas beaux. Est-ce que ce sera patché ou non? J'en sais rien, je l'espère, parce que, très honnêtement, je trouve que c'est le plus gros défaut du jeu. La caméra en combat n'est pas folle non plus. Elle est un peu aux fraises parfois, et c'est dommage, parce que sinon le gameplay est oufissime. Et les interactions avec Triangle ne sont pas toujours évidentes. Pour l'instant, c'est les trois défauts que j'ai trouvés au jeu. Le défaut majeur étant certaines textures. Pour ne pas dire, limite 40-50% des textures sont pas ouf, quoi. Donc espérons que ça s'améliorera avec un patch. Ou bien que ce sera mieux sur une PS5. Hein, parce que clairement, je pense que ce jeu a été développé pour la PS5 et downgrade pour la PS4 Pro. Bref, sinon. Mis à part cela, je n'ai aucun problème avec Benzou, j'adore Benzou. D'accord, on est sur les rails. Un de nos défauts, le jeu est un peu sur les rails aussi, mais bon, ça c'est pas trop grave, j'en attendais pas. J'attendais pas autre chose de Midgar. Je n'ai aucun problème avec Benzou, si jamais des fanboys voient ça, je suis moi-même... un fan du taf de Benzou, j'aime beaucoup regarder ses let's play, et ses hard corners, et ses hard looters. Je suis abonné à son Twitch, je suis un sbire. Voilà, calmez-vous. Ah, je croyais qu'il y avait une matinée. You'd better watch out then, Cloud. Il a rigolé. Ouais, voilà. Clairement, les rochers sont pas jolis, quoi. C'est un peu déconné. Là, t'as les personnages et t'as certaines textures qui sont, qui sont bien, quoi. Les personnages sont ouf. T'as des textures qui sont ouf. Et après, t'as des trucs comme les rochers. Et tu comprends pas. Alors, voilà, on va combattre avec Aerys. En possédant des facultés innées, Aerys est particulièrement doué pour les attaques magiques et pour apporter du soutien à ses camarades. Maintenir la touche carrée appuyée lui permet de lancer une série d'attaques magiques avec son bâton. Avec ses attaques continues, elle est capable de frapper plusieurs ennemis tout autour d'elle. Ah, ils nous ont quand même fait un battle theme avec ce thème-là. Under the Rotting Pizza, je crois, elle s'appelle. Il y a un truc chelou dans la musique. Putain, elle tape fort. Ah oui, c'est quoi ces stats? Je vais voir les stats. Berisu. Attaque magique 149, donc bien sûr. Quoi? Bâton de défense, un bâton très ancien qui a été préservé et entretenu avec grand soin. Bracelet en mithril, un bracelet en mithril qui a été particulièrement conçu pour repousser la magie. 89 en attaque, 149 en attaque. En défense magique, elle est violente, hein. Attention 24, chance. La chance, je vois pas à quoi elle correspond, du coup.
D'accord. Bon, de toute façon, on avait fait tous les réglages hein, avec Aeris, je pense, hier. Là, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Et là, je sais pas trop. Donc on va espérer qu'on avance pas dans le jeu et que là, on... Ouais, ouais, bah c'est bien, justement. C'est ce que je veux. Y'a rien à looter? Non. Tout ça pour une potion? Vous êtes des mythos. Va falloir revenir, j'en suis sûr. Y a des secrets, c'est obligé. Nomura, Kitase, Amaguchi. C'est ça, c'est Amaguchi, ça s'appelle. Gucci Gang, qu'est-ce que vous avez fait, là? C'est quoi cette arène? Les débris de la fusée qui s'est cassée la gueule. Il y en a eu plusieurs, des fusées qui sont cassées la gueule, ici? On peut toujours pas backtrack à l'église pour récupérer la matéria jaune, c'est dommage. Bizarre, je vois pas pourquoi ils ont fait cette arène si c'est un cul-de-sac qui sert à rien avec trois caisses, mais... Ok. Bon, par contre, j'ai une pâteuse d'enfer parce que j'ai encore trop bu hier. Attends. Rien. Didn't work. Maybe it's broken? Pretty sure this path around loops around too, so. Get an X. La porte bloquée, faites un détour pour vérifier si la porte peut être ouverte de l'autre côté, lol. Wonder if we can move this. T'as la taille du truc? Vas-y, Cloud. Pas la lol! Les gros biceps! Ah, I knew it! Les gros biceps! Le mascu! C'est où? Non, c'est par là qu'il faut aller. Ah voilà, donc on se détend, on apprécie le jeu malgré ses défauts. Hein. C'est quoi l'embrouille? Maintenir triangle, appuyé par mes risques de concentrer de l'énergie magique pour lancer une puissante attaque tempête une fois la touche relâchée. La puissance de tempête varie en fonction du temps passé à accumuler de l'énergie magique. Vous donc de choisir en fonction de la situation si vous voulez concentrer moins d'énergie afin d'attaquer plus fréquemment ou en accumuler beaucoup pour infliger davantage de dégâts d'un coup. T'as quoi, on sort ta glace, putain, mais leur glace dans la vie. Gotta go for it now. Elle tape fort, hein. Must have been a new breed. How do you figure? Because they went for the stronger prey. Oh. Ah mais on les a déjà analysés eux, ces Pokémon là. Regarde, vu de là, ils ont l'air beaux, les rochers. Hein. Well, we did take a detour. Getting tired? Nah. Me? Nah. I'm feeling a bit hungry. How about you? Amazed. You're in for a treat when we make it back. Oh, hell yeah. You'll want to make time for my mom's cooking. And that's the final word on it. We'll get home quick and eat ourselves stupid. Oh putain, yes, manger avec la maman d'Aeris et Aeris, trop bien. Ah, mais on va où, là? Mais du coup, la quête annexe...
Les monstres. Ah d'accord. I'm coming. Encore de chemin. Il est où le cul-de-sac? Attends, wait. C'est ça le cul-de-sac? Oui. Non, je crois que c'est par là qu'on continue l'histoire, je veux pas. Est-ce qu'il y a un truc à découvrir? Oh putain, il y a plein de chemins, merde. Merde, je sais pas du tout. Là, tu vas où, là? Ah non, là, ça va, c'est pour une crate. Un remède, ok, si tu veux. Hop, 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 hop. Et du coup, l'autre... Non, mais par là, je crois qu'on continue vraiment l'histoire, non? Ça ressemble pas à une arène de boss. Ça fait chier, j'en sais rien. On va voir. Ça ressemble seulement à une arène de boss, fait chier. Pourquoi y'a rien encore? J'ai les mains moites. À l'aide. Putain, encore une arène vide. Vous essayez de nous dire quoi là? Ouais, ils ont l'air sympas ces mechas. C'est les mechas de FF6. Poim poim. La porte est verrouillée. Ah, c'est con. Avec ce genre de décor, ça fait plus penser à du Don Corneo qu'à de la Shinra. Hein. Oh putain, la matéria d'invoque. Pourquoi elle est dorée et rouge? What the fuck? Un petit Deitsu. Juste un petit alors. Hein. Ouais, c'est quoi ça? Oh yes, c'est méchant! Pas très fan hein, de ce remix de Battletem. Ces armes autonomes fumifacturiers. Ces armes autonomes mises au rebut par la Shinra ont lancé elles-mêmes leur programme de restauration pour se ranimer et utiliser des pièces récupérées ça et là pour se rafistoler. Elles émettent une fumée nocive. Les toucher pendant qu'ils utilisent leur course en fumant leur donne plus de chances d'entrer en état de choc. De plus, les sorts élémentaires de foudre font augmenter rapidement un genre de choc technique ennemi assimilable. Cette créature, merde, on n'a pas machin. Ah, autodestruction, ça va être sympa, ça, je sens. Take the lead. I'll show you what I can do. Yeah. Ah! That'll do. Hm.
You've got this. All right. Come on. Nothing to it. Combat intéressant. Ah bah bravo. Ah bah là, bah bravo. J'avais oublié l'autodestruction. Elle a pas soin, hein, Iris. You sure you wanna fight? Ah encore, Amiro Pop. Let's go. Ça repop, on peut farm, lol. Hein? Ah, ok, là, yes. Oh putain, on peut encore prendre 3-14 chemins, la merde. Ah, donc c'est par là qu'il faut continuer, donc c'est mort. Ah non, refais-le. Ouais. Je suis très heureux d'avoir fait ça. Ok. Je peux courir Cloud sinon. Ah bah voilà. Voilà ce puzzle solver, incroyable. Ouais. T'as intérêt à valoir le coup, hein. Incroyable. Incroyable. Ce puzzle solver de l'extrême. Et là, on va où? On se libère un shortcut, là? Hein? Ouais. Mais là, on y est déjà allé. Ah oui, on s'est juste libéré un shortcut. Bah voilà. Ah non, mais c'est fait. C'est fait, connard. Je viens de l'ouvrir, la porte en haut de la colline. De quoi tu me parles? Je viens littéralement de l'ouvrir, la porte. Consider it done. Oui, oula, Iris. Calme-toi. Guess we're home free. No need for ah, merde. I'd rather get paid. You're getting paid right now. Hein? Non, mais on sait quel boss fight arrive là. Apparemment, les gens ont dit qu'il était plutôt hardcore. Donc, je suis curieux de voir. Là, on va où? Oula, ça pue le boss fight. Je la sens, l'arène de boss fight là. Remarque, je sais pas si c'est là l'arène de boss fight. La porte est verrouillée. Ok. Ok. On revient. On revient un jour. Bouim, 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 bouim,
Loot box. Non, je crois pas, non. Ouais, voilà. Putain, un cloud qui spoil. Bâtard. Keep an eye out. Ah ouais, ça s'est vraiment calmé. Ouais, moi aussi un peu. So, do you think this means another war's coming? Yes, la guerre. Oh, hey there, Aaron. Earth. Ah, c'est par là qu'il faut aller. Bon, vu que le jeu est sur des rails, j'imagine que pour l'instant, il va me dire ne va pas par là. Non. À quel moment on peut explorer comme on veut? Bande de bâtards. Anxious Heart. Yes. Ma musique préférée. Enfin, une de mes préférées. Ah, désolé, je prends 2 minutes pour l'apprécier parce que j'adore ce thème. Oh putain, yes. Ah, t'as le niveau de l'arme en dessous, et avec les PA, j'avais pas vu. En dessous des persos. Allez. Oh là là. Ah, la harpe. C'est de la harpe. Je suis un expert en musique et en... C'est de la harpe. Oh putain, c'est trop bien. Hey. Shit, that bridge, it's priceless. Et des PNJ. Ils font quoi, eux? Ils font quoi avec leur bâton, les gars? Et vous dites rien en plus. J'ai juste pas le droit d'aller dans l'impasse parce que vous êtes là avec vos bâtons. Putain, Cloud qui backtrack. Il est intimidé par les gamins. On peut marchander, on peut pas marchander. Allez, à l'issue. I'm standing inside the gutted shell of Mako Reactor 5. They're working for Wutai, isn't it obvious? There's still a lot of smoke rising using from the rubble. Spies so they don't have to break while the ceasefire. Fallen beams and other debris continue to hinder rescue efforts. Devils the fires are trying appear to have been war. Mostly extinguished. So if we help catch the bombers, we get a reward over there. Or something? That's the director. Scarlet! Oh! That doom and gloom. But would you mind answering a few questions? Right? They're targeting reactors. Can you give us any updates on the status of the reactor? What kind of damage are we suffering in the explosion? Are we in any danger? Oh putain! Reactor 5 has been temporarily shut down, and all fires have been successfully extinguished. The situation is under control, and the people of our fair city need not worry about any additional complications. We are in the process of conducting a full forensic investigation, but we suspect the device used was similar to that employed in the attack on Mako Reactor 1. The perpetrators of that atrocity were filmed making their escape. Non mais remettez l'image sur Scarlett. Putain, du coup ils ont des images de tout le groupe, ça craint. Given that this group has now attacked 2 reactors in quick succession, can they really be stopped before they strike again? Oh, Scarlett, tu te cuches. Have no fear. D'accord. Shinra will keep Midgar safe. Okay, time's up. Tellement hâte que Tifa te slappe ta gueule. All right, mais qu'est-ce que t'es sexy. Go. Bon bah, en tout cas, ils ont des images de toute la bande. Ça craint un peu, ils vont devoir se planquer. J'imagine. Mais Hey, ouais, d'accord, Iris, on est sur les rails. On va suivre le jeu. On explorera après. Tu as pas grand chose à explorer, je pense. Oh, what timing! Mind lending me a hand? Place is really hopping, huh? Nice side effect of the train situation. So, what do you say? I'd love to, but. De quoi? T'es fait rejeter, mec. I help out sorry, non sorry. It's fun. Aerith! Earth. Well, well. What are you doing all the way up there? Was trying to get a look at the reactor. Who's this guy? This is Cloud. He's a mercenary. And currently my bodyguard. That's Oates. Ah, t'as un nom, le PNJ? A plus, gamin. Two peas in a pod.
Ouais, bon, il aura sûrement une quête pour moi, quoi. Eat and drink. Ah, mais en fait, tu vois, t'as 50% des textures qui sont bien faites, et 50% qui sont un peu beaucoup à la ramasse. C'est bizarre. So, what are you guys up to? We all went to see the reactor. Oh, that's right. You're supposed to come by the house. What for? I don't know. You're just supposed to. Well, guess we have a new destination. I should probably explain. La maison the chelue. The leaf house is the local orphanage. That's where all these kids live. Ah oui, l'orphelinat. Where'd you go? The church again? Next time, we should all go together. Ah, oh, c'est cool. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Why, hello, Aerith. As popular as ever, I see. Apparently, but they sure keep me on my toes. better than being bedridden. Thanks again for all those herbs. You've helped a lot of people. No problem. Anytime. How'd you manage to find so many anyway? Oh, I have my ways. And him? He's my bodyguard, just until I get home. And you're sure he's up to it? Hmm... Maybe. Pardon, j'ai une absence là. Since I'm so generous, I gather medicinal herbs for his patients sometimes. D'accord. Here's the leaf house. Le lore. C'est trop bien. Oh, la musique dynamique qui change un peu, there trop bien. Are. We're back and we brought Aerith with us. Garçon. Sorry to make you come out here. Don't be. It's on my way home. Well then, I hope you won't mind me asking for some flowers. No problem. How many? All you can carry. What with all the doom and gloom we've been hearing on the news recently, I thought some flowers might help cheer everyone up. I'm sure they will, and I'd love to help. Let's all wash up before our meal. Je lui parle? What decorations should we put up next? Aerith is a real blessing. All of the children love to spend time with her. Thanks so much, Aerith. So, are you a friend of Aerith's? Il y a beaucoup de lignes de dialogue. Aerith is a real blessing. All of the children love to spend time with her. Thanks so much, Aerith. Il y a beaucoup de lignes de dialogue pour un PNJ, Joseph. Il va sûrement avoir une quête à nous donner. Et regarde là, les murs de briques, ils sont super bien. Et ce qui m'a un peu énervé aussi, c'est que les gens, ils parlaient, genre, ils donnaient l'impression qu'en fait, toutes... Oh là, elle me casse les couilles. Toutes les textures du jeu sont dégueulasses, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un peu inégal. J'ai le droit de visiter l'orphelinat? Ou j'ai vraiment pas le droit pour l'instant? Oh, le petit pampa. Alors, les orphelins, je vous nique... Je vous nique vos biens... Un tombéry, un pampa, avec un cœur, un tombéry avec un cœur, excellent. Est-ce qu'il y aura des tombéry dans celui-là? Chocobo et un mog. Ok, salut les gamins. Bon bah amusez-vous bien, moi j'ai une date. Ciao. Moi aussi je suis un orphelin, remarque alors. Courage. What decorations should we put up next? D'accord, tu n'as plus de ligne de dialogue. Elle est passée où, Iris? Elle est là. On y va, on y va. Once they're ready to eat, I'll bring some to your place, Aerith. Les plantes. Et ça y est, maintenant je vais être aliasé. Pas très joli. So, Cloud, what's your favorite flower? They're all the same to me. Huh. You sure you want to say that to a florist? Celles-là, elles sont belles, de plantes. Okay. Then what'd you do with the celle-là pas trop. You give it away? I did. Ooh, to who? Tell me. Don't recall. Il a oublié. Je peux pas lui dire que c'est Tifa. Thought you didn't like lying. Well, anyway. Oh, 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 oh. Il veut pas lui parler de Tifa. Laisse faire le plan A3, c'est ça? Ouh là là. Ouh là là. Je reconnais cet endroit. Je reconnais cet endroit. Oh, j'adore ce FX, putain. My house is just up this path. Ouais, ouais. Mom should be home by now, so I'll introduce you. D'accord. Après le combat de boss, bien sûr.
Ou même pas. Ah non, c'est après le combat de boss. There you go. That's my house. It's amazing. Ouais. Ouais. C'est pas mal du tout, hein. Je me laisse aller explorer le jardin. Oh putain. Je suis là, Iris. Come on. I'm home. Hey, baby. Been up to no good? Elmira. So, this is my mom, Elmira. And this is Cloud. My bodyguard. Hi. Take good care of her? That's my job. Or was my job. Yep. Thanks. So, Cloud, you gonna head back to Sector 7? Yeah. On devait pas manger. Then I'll show you the way. Attends. Then why'd you have me bring you here? What if the Turks show up again? It'd suck, but I've dealt with them before. Honestly? I'm much more worried about you. What if you get lost, huh? You'd be too embarrassed to admit it, and so you just keep on going. Quit acting like you know me. Hey, Mom. I'm gonna go take Cloud over to Sector 7, okay? Okay. But why not wait until tomorrow? If you head out now, it'll be dark when you get back. Better to rest up here and make the trip first thing in the morning. When you'll have daylight to spare. That's true. She's got a point, Cloud. Hold up. Oh yeah, I still need to deliver some flowers to the Leaf House. Since we have a little time before dinner, you should come with. That wasn't the deal. You mean you want more? Even though you've got a priceless reward coming your way? Do you know what I promised him? I'll do it. I'll go grab the baskets. Be right back. I'll do it. Meilleure quête, amener des fleurs à l'orphelinat. Rechercher des chats. On peut lui parler? That Aerith, she's a handful, isn't she? Yes, on peut parler à la maman, Elmira. It must be tough. No, never mind. Ok, Elmira. Fais moins de lignes de dialogue que la directrice de l'orphelinat, je ne t'en veux pas. Belle baraque. Du coup, faut... En train de danser. Un petit chat. Une photo des décombres, ok. Une télévision old school. Des cristaux. Des cristaux sa mère. Oui. Oh putain, on monte dans la maison d'Iris. Oui. Le fanboy se réveille en moi. T'as pas du loot dans ta maison? Sweetie. Bright as fuck! Stop! Ouf, merci. Elle est passée où? Elle est où? Mongolo? Iris? Oh putain, c'est de vue. Cette vue, les amis, cette vue. Mais du coup, elle est où? Elle est dehors? Found him! Ah, ok. You take this one. Take it. Allez. Right. Off we go. And these right here are my babies. Ah yes, vas-y, s'il y a du loot.
Avec son panier, quoi. Excellent. La musique est cool. Atta. T'as pas le matériel dans ton jardin comme dans l'original? Faut pas aller plus vite, Cloud. Cloud. Oula, il va écraser les fleurs. J'arrive à Iris, hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à looter, dommage. Oula. Choisissez les fleurs que vous souhaitez apporter à la maison feuillue. Aux abords d'une parcelle, appuyez sur triangle pour cueillir les fleurs qui y poussent. Notez que la couleur des fleurs choisies influe sur la décoration de la maison feuillue. D'accord. Si tu le dis. Moi, je veux du loot. Il n'y a pas de loot. Bon, j'arrive, on va faire la quête. On va faire la quête des fleurs. On peut ramasser les rouges? Moi, je veux des bleus, moi. Des bleus. Des fleurs bleues. Ah yes, voilà celle-là. Comment on fait? Connard. C'est moche, ça. C'est du blé. Good eye. People used to give these to declare their loyalty to one another. La pureté. Interesting, right? On peut en prendre plusieurs sortes. Je vais prendre celle qui me signifie réunion. I think we still need a few more. Which should we pick next? La réunion. That's the one I gave you. Oui. It is? Nice try, mister. You can't fool me. Oui, waifu. Encore ou c'est bon? She said, as many as you can carry, so maybe a few more? Encore plus de ça. Encore plus de ça. Je sais pas si ça joue pour la romance avec Iris de prendre ces fleurs-là, je les prends du coup. Oula, je l'ai interrompu dans son dialogue. Oui, on y va, mais on va pas se retaper le tour. C'est toi qui me suis maintenant? Ah oui. Par où qu'on part? Par là. Putain, il n'y avait aucun loot chez toi, je suis déçu. Je suis choqué et déçu. No need to hurry. We're not under the gun or anything. I'm not cut out for this crap. Sure you are. And when you're done, you'll be drowning in job offers. J'espère. So, how do you think they'll arrange these flowers? Don't know. Well, we'll soon find out. Arène de boss fight. Hello, on a les fleurs. J'ai fait tomber les tabourets, je suis désolé. Hein. Je suis confus. I'll wait out here. Oh, okay. But I might be a while. Why not check out the town? Oh bordel, 4 secondaires. C'est ça? Non, on n'a plus à l'issue. Nouveau thème? Moi, je veux bien que vous remettiez Hongshu sorte. Ah non. J'ai pas droit à plus de quêtes pour l'instant. Bon, ça fait très Crisis Corsa comme track. Faut que j'aille là. C'est pas un thème de Crisis Core d'ailleurs. Ah non, c'est je crois que c'est Holo, mais juste à la guitare. C'est le landing theme du jeu. Ouais, clairement, t'as pas une quête. Le honeybee, une sushi, putain, c'est vrai qu'on est même pas encore à Walmart. Ça joue sur les toits. Ah, et lui. Attends, y'avait du loot. Where's Aerith? The Leaf House. Ah, bah, adieu.
Oh putain, il est trop bien ce thème, il est trop beau. Pam, 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 pam. Je vous prends votre argent, ça te dérange pas, hein, je te nique ta thune. Ah mais il y a des boutiques là. Mais bon, montre la minimap. Qui joue la musique? Ouais ouais, fais voir. Costa del Sol. Nice. Oh putain, c'est quoi, c'est Bossa Nova? C'est de la Bossa Nova? Moi oh, j'ai le nez bouché. Bon bénéfice, on va finir par l'acheter, hein, parce que on n'en a pas trouvé. Mais attends, je vais aller voir s'il n'y a pas des armes. Oh ouais, ta gueule. Oh, il est là! Cloud, I understand you must be busy, but I hope you haven't forgotten about my research. Le petit projet dojo. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais le quatrième que je t'avais pas encore donné. Et du coup, c'est quoi Turbo ATB? Matéria permettant de doubler le remplissage de la jauge ATB en appuyant sur L1 plus R1. Ne peut pas être utilisé plusieurs fois de suite. C'est craqué du cul! C'est craqué du cul! Merci beaucoup, mec. Et du coup, t'as plus de trucs pour moi? Cloud, I've come up with the most fascinating theory. Perhaps you can lend me your assistance in gathering data to test it? Hein? Cloud, I have the most amazing news. Oh putain, t'es tellement un projet de jeu, mec. T'es tellement un bébé éprouvette. Scientists say that this materia can only be found in nature, but I may just be able to prove otherwise. And so, Cloud, I turn to you. I would like to test this theory by way of my combat simulator. Oh yes, vas-y. To wit, I want you to fight and defeat summon data in VR. I sense that you find my phrasing to be somewhat obtuse. Bah si ça me donne de l'XP, moi je suis chaud. Hein. Oh c'est stylé, combat contre des espères. Oh putain, comme dans Crisis Core. Une nouvelle fonctionnalité est disponible grâce au rapport de combat. Oh, c'est ultra stylé! Mission VR. Dans les recherches secrètes de Chadley. Partager régulièrement des données vous donne parfois accès à des missions spéciales permettant de combattre contre des espères. Oh, c'est ultra stylé, ça. Ah, il nous l'avait bien caché, ça. Hein. Parlez à Chadley pour accéder à ces missions. Utsukushi! Pardon, hein. Désolé si j'ai gueulé. Oula, attends, ouais, là il me met plein de trucs à jour, là. Donc, simulation de combat Shiva. Grâce à l'analyse de données recueillies sur la magie de glace Shiva, la reine de glace a été reproduite avec succès. Il ne reste plus qu'à observer son comportement en combat réel. Utilisez le simulateur de combat pour collecter les données nécessaires. Analyse de la faune. Ah, je l'ai déjà fait. Sur ta survie, c'était quoi? Utilisez la compétence analysée sur 10 spécimens de créatures. Utilisez un sort de magie élémentaire 15 fois en vous basant sur les faiblesses de vos ennemis pour les exploiter. Ouais, je le fais parce que j'ai un gros cerveau, ça. Abattez au moins 2 ennemis en même temps avec une seule attaque. Analyse des variants. Ah ouais, lui, il était super stylé. Les créatures que l'on appelle variants présentent souvent des disparités morphologiques avec leur archétype. Cette découverte me sera utile dans la création d'une matériel de synchronisation. J'ai besoin de plus de données pour tester cette théorie. Abattez 3 spécimens de variants. Oh, mais quand tu veux, moi je tape tout, hein. Même les gamins, hein. Si tu me demandes de tuer un gamin, je fais comme Guts, je le fais. Bon, il a pas fait exprès. Il a glissé, mais je le fais quand même. Alors attends, 2 secondes, j'arrive parce que ça m'a hypé ton truc de combattre les invoques, là. Mais il y a d'autres bouts de sec. Encore un poster Loveless. Il a pris cher ton poster Loveless, par contre, à toi. Et tu ne vends que des objets. Du coup, attends, j'aimerais bien voir si ça vend des armes, en fait. Oh, ça vend pas d'armes. Ah mais non, c'est de Chadley, là, en fait. I have to tell you that I'm grateful for all of your help thus far. Oui. Est-ce que je peux combattre Shiva? I've done it. I've developed a new materia.
Ah ouais, on peut faire les missions VR, yes. T'as quoi, t'as vol? Voler, oh putain, yes. Attaque anticipée, matériel permettant d'augmenter le remplissage de la jauge ATB en début de combat. J'en ai pas déjà une que j'ai donnée à Tifa en plus. Elle coûte cher, hein, donc je vais pas l'acheter. Par contre, vol, je prends. Hein? Garde renforcée, matériel réduisant les dégâts subis et augmentant. Ah non, mais attends, c'est ça. Matériel faisant automatiquement utiliser provocation sur un ennemi qui attaque un équipier affaibli. Le forçant temporairement à tourner son provocateur. Personnage est contrôlé. Ça, c'est bien pour Barrette en provocation. Garde renforcée, matériel réduisant les dégâts subis et augmentant le remplissage de la jauge TV révolution. 2000, connard. Ça fait combien de temps qu'on y est? Putain, j'ai le nez bouché sa mère. Vas-y, je veux combattre Shiva. Terrasser Shiva. Then I invite you to ready your portable battle simulator. Oh, Cloud Utsushi. Je crois que je vais jouer hier, là, attends. Oh, allez, Utsushi. Oh, le thème de combat. Ah merde, je voulais mettre la matéria d'ATB. Oh, ok. Est-ce que je peux la... Attends. Yes! Un esprit de glace recréé en réalité virtuelle. Il prend la forme d'une reine qui, jadis, avait utilisé ses pouvoirs de glace pour panser les plaies de la planète. Oh putain, le lore! Le pergélisol que l'on trouve toujours de nos jours au pôle en sont les vestiges. C'est quoi ça, le pergélisol? Aucune donnée stratégique affichée chez faiblesse feu, bien sûr. Immunité au dodo, au ralentissement, à la furie et ça, c'est les dégâts, je sais pas quoi. Elle absorbe la glace. Merde. Elle peut m'endormir, ça, ce serait problématique. Je sais pas si le Punisher mode c'est bien avec elle. Hein. Ah là, je suis dans la merde. Mais est-ce que j'ai le level pour me la faire parce qu'elle a l'air violente hein. Je sais pas si j'ai trop le level putain. Merde. Ah bah là je suis mort là. La frappe céleste elle va me déboîter. Mais le truc, c'est est-ce que je perds mes items dans ces combats? Ah non, pas vraiment. Ah oui, j'espère que je peux le refaire. Hein. Ah, c'est trop cool si on peut combattre. Yes, ça marche. C'est trop cool si on peut combattre les invoques. Mais elle m'a explosé ma gueule. Hein. Ça m'a redonné mes super potions ou pas? Je crois que oui.
Du coup, on a tout fait, tout acheté. Il regarde encore la télé. Toi, tu fais quoi, toi? Oh putain, une armure, oui, voilà. Qu'est-ce que t'as? Bracelet ténébreux, Dark Sasuke. Un bracelet mis au point par la compagnie Shinra afin de permettre une utilisation efficace des matérias. Cloud a un bracelet en titane, non? $3200, ça coûte, putain. Bon, après, c'est pas non plus la folie niveau variété de stuff. En tout cas, pas pour l'instant. Bon, sur les matérias, oui, mais sur le stuff, pas tellement. Après, t'as les améliorations d'armes et tout aussi, mais... tu vends pas d'armes, dommage. Je sais pas, mais... 3200, c'est beaucoup, et en plus, niveau protection, ça craint, hein. Tout ça pour me rajouter un slot de matéria. Je vais attendre un peu. Mais je peux pas te vendre des trucs, moi. Genre, qui est équipé de ça? Personne n'est équipé de bracelet en fer. En fait, j'avais envie de vendre. Le problème, c'est que j'ai rien envie de vendre. Oh, j'ai un cœur d'IA, ça sert à quoi? Attends. Putain, elle est trop bien, cette musique. Le cœur d'IA, un composant électronique de l'étoile, il doit pouvoir se vendre à un bon prix. Nice. Il l'a acheté. Hein. Protection au cul, on peut pas les vendre, c'est bullshit ça. Elles servent à rien, elles sont merdiques. Ah non, c'est pas ça que de ce dont je parle. Non, j'ai pas envie. See you soon. Ta gueule. Ah non, je vais pas mettre pause. Je voulais l'inventaire. Là où il va falloir qu'on voit ce qu'on te met. Putain, on l'a presque master. Alors, analyse, c'est bien. Soin, à la limite, tu me dégages soin. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre? Provocation, non. Vision, ah ouais. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est Iris qu'il a. Garde renforcée, réduit un peu les dégâts en garde. C'est quoi le truc trop cheaté là? Bon, il y avait vol déjà. Turbo ATB, c'est trop violent. Ah, faudrait que je mette une vol à quelqu'un aussi. Ok. Y'a où qu'on n'est pas allé? Nah, can't leave without telling her. Ok. Cassez-vous! Mais non, lui, c'est celui que je viens d'aller voir. Y'a rien à looter là. Pardon. Bon, allez, on retourne là-bas et on va arrêter l'épisode là, je pense. C'est par où déjà? Par là? Is something wrong? You could say that. Sounds like someone spooked the kids. Yeah, two of them disappeared. They ran away after this creepy guy wearing black clothes showed up. Rude. A Turk? That's what I thought, but no.
It's this guy who's always stumbling around town in a dirty robe full of holes. Un clown. They say he's sick or something. Oh, and he had some kind of number tattooed on his arm. I don't like the sound of this. I'm gonna check it out. These guys are sick. I know someone who fits that description. I'll come with. Okay. Okay. Come on. Iris lui est revenu. Est-ce que c'est This Guy Are Sick? Il est dans le secteur 5, lui, non? En plus, dans l'original, je me rappelle plus. Bélé, bélé, oui. Oui, oui, il est à côté de la maison d'Iris. Salut, Chad. Salut, petit bébé, bébé prouvette. Petit clone de Sephiroth. Viens les cellules de... Non, on va pas spoiler. Come on. I know this place is off limits to grown-ups, but if we want to rescue them, well, we gotta break the rules. Ah bon, c'est interdit aux adultes? Il va encore avoir un flashback de l'enfer, Cloud. Il va nous faire du PTSD à l'infini. Ah, il y a du loot. You're back. Aerith's come to help. Yeah, leave it to us. We'll take care of it from here. But there are monsters out there. On va XP, c'est bien. I've brought a super strong friend along with me. I used to be a soldier. Ah la lol. So where's the guy? I don't know. He disappeared and we can't find him. Right now, let's worry about the kids. Come on. I was in soldier, dammit. Nous, on vient de là. Oui, je me repère très bien, hein, dans l'espace. Attendez, je vous pique vos jouets. Voilà, la médaille moque, je sais toujours pas à quoi elles servent, mais elles sont là. Hein. Elles sont présentes. They ran off this way. Be careful. C'est cool qu'il y ait une autre version de Holo. Where do you think they went? Le film secteur 5. Zone non développée. Oula, la musique se vénère tout seul. I just hope we find them in time. J'adore le combat du jeu. C'est vraiment dommage que la caméra soit un peu aux fraises parfois, mais putain que j'aime ce battle system. Ah, je le dis en anglais parce que je suis un gamer. Leave this to me. Sort. Mais comment j'utilise la compétence? J'ai mis Turbo ATB. Comment ça fonctionne? Ah, mais oui, en appuyant sur R1 et L1, gros cerveau. On est arrivé par où? Oh putain, c'est un open world. Pas du tout. Les textures des rochers, what the fuck. Une méga potion. Je prends. Donc ne pas oublier, prochain combat, on charge L1 R1. Elle est où? Ah bah elle est là. Elle attendait que je loot. La MVP Iris. Oh yes, il y a encore un gros truc dégueu là. J'aime bien ces ennemis, ils sont rigolos drôles. Je me demandais s'ils auraient les couilles de les mettre tous ces ennemis vraiment what the fuck de l'original. Eh bien ils l'ont fait. Et ça fait même du sens quoi dans parfois. C'est ça le pire. Just in case. Oh Cloud. Ah c'est pas fini. Où ça? Ah là. Ah mais j'avais pas vu qu'ils étaient tout pleins. Ah oui, il s'était blindé en fait.
Iris, il faut que je teste ton attaque vision parce que je comprends pas à quoi ça sert. Yes, I gotta. Stay back. I'll take care of them. Whatever. Aspiration de mana, lance une attaque qui absorbe des PM. Posez-moi en état de choc. Ça crée. Crée un saut magique au sol permettant de lancer deux fois. Restaure des PV à tous les équipiers qui consomment 2 barres ATB. Oh putain, ce slow-mo. Ah mais là on peut bouger la caméra, voilà. Oula, il vient pour Iris, hein. Mais c'est où Vision? Ah bah du coup elle s'est fait interrompre. GG. Démonte-le. Oula, ils ont pris cher, hein. Je sais pas ce qu'ils ont pris dans la gueule, mais ils l'ont pris. Alright. Putain, elle restaure sa mère, elle. Ah, c'est vrai qu'elle est très bonne en magie, donc forcément, le soin avec elle, ça marche bien. Un antidote, les loot box. Oh, réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, j'aime bien les combattre. Eux. Ah, ils ont vraiment eu les couilles de les mettre dans le jeu. Ils ressemblent vraiment à... Ils ont fait un bon taf, là. Pour le coup, c'est cool. Allez go, est-ce qu'on va avoir un mini boss fight ou pas? Ah non, c'est pas là qu'on va combattre Rude. Je sais pas. Oh! Ah ouais, ça Yes. Merde, autodestruction, j'avais oublié ça. Cassez les couilles, les gars. Oula, 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 oula. Attends, Iris. Ah, Iris. Ouais, bon, on va y aller. Hein. Oula. Oh, une squishy. Come on. Pas la lol. Thank you. That was cool. Okay, let's head back. Voilà, tu gagnes des points, mon gars. Ça, c'était un joli move. Tu gagnes des points. Tu peux arrêter de marcher et courir par contre. Bon, attention, il n'y a rien à looter là alors. Bon, allez, on les ramène et on arrête l'épisode. Hein. Ah, il fallait que j'attende qu'elle y aille. Maintenant, je peux y aller. Voilà. Mais Cloud, pourquoi tu... Let's do this.
focus. There. Get him. Brace yourself. It's over. Oh, attention. Well, you see, Cloud here used to be a soldier. He was? Ah, il explose pas. Fight in the war? I might have. C'est un secret. Il s'en rappelle pas. No spoiler. Même s'il joue à 23 ans, no spoiler. Brum, bum, bum. Putain, mais le nombre de tracks qu'il y a dans ce jeu, quoi. Just in case. Ah, il est mort ou pas? I wasn't so bad. Soldier like you. You can't just grow up to be a soldier. You gotta work at it. Cloud thinks I'm good enough to be one, right? Look at you, Mr. Popular. That was so cool, you guys. Especially that. Oh, yeah! Yeah. It was really cool. Excellent. Yeah, yeah. You've got it all wrong. Yeah. Oui, bon, c'est bien, vos gueules maintenant. Casse les couilles, les gamins. Fine. Then how about. Ouais, ouais. Oh putain, il les a straight up, il les a. Il a mis en vent. Ah. Tifa, hein? Wait! Tifa! Ah. Tifa! Tifa. Tifa? What's wrong? Nothing. J'aime vraiment qu'il ait des petits Is flashbacks Tifa plus like souvent. Your girlfriend? Oh. No. But she's someone special. It's not like that. More like, I don't know how to explain. I see. Il est mystérieux. He doesn't see me. Be quiet. C'est fou. Oula. Eh, mais c'est une mini Buster Sword. C'est bien, entraîne-toi, gamin. Y'a pas de quoi. Thank you. From now on, if you run into trouble, promise me you'll find an adult, okay? Okay, I will. Un colis fait main. And here, since you're so cool, you guys are both grown-ups, but you're also one of us now. You can come and play here whenever you want. Cool, merci beaucoup, mec. Oh, y'a un tag de Monstrosaurus, là. Sur le mur, c'est mignon. Lol. Ouais. Du coup... On a fini cette quête. Ça fait combien de temps qu'on joue? 1h08, on va arrêter cet épisode. Voilà, c'était un épisode bien rempli. Putain, je suis super hype. Les combats avec les espèces, c'est ultra stylé, ça. Et du coup, encore une fois, oui, le jeu a des défauts. Je n'ai rien contre Benzaï, drama, tout ça. S'en bat les couilles. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de mettre 0 sur 10 au jeu sur Metacritic, parce que c'est pas un vrai jeu. Voilà. Des bisous.